niveau et le poids de la performance du Paris Saint-Germain à Old Trafford mardi dernier. Vous l'aviez annoncé à Bip que grâce vous soit rendu les Verts en 3-4-3 comme à l'ordinaire. Alors on peut aussi appeler ça un 5-3-2 évidemment. On essaie de positiver, de dire que c'est un 3-4-3 pour Jean-Louis Gasset. Oui, on espère que le rapport de force soit imposé aussi par cette équipe de Saint-Etienne. Vous l'avez dit avec la présence de Monet Paquet sur le côté droit, Gabriel Silva à gauche. Areola, vous l'avez dit, à la place de Buffon, on aura ce système à 4. Alors, je pense que ça peut se modifier. On peut voir Kerrer aux côtés de Thiago Silva. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur l'animation. C'est Marquinhos. Sembila. Un appel de balle magnifique dans le dos de la... Quel bon ballon vers Romain Amouma, la remise. Ah, Kevin Monet-Paquet encore, qui va s'arracher, qui va gagner ce duel. La... Bernat, encore Diaby, qui est parti cette fois dans le dos de Monet-Paquet. Monet-Paquet assez trop, Di Maria qui va chercher à l'opposé. Mbappé, il n'a plus que freiner le ballon, Kolo Tchézak. Qui est parti dans l'espace, Diaby, il y a Mbappé qui est seul dans l'axe et finalement... Benacer, Monet-Paquet qui a poursuivi, qui va enchaîner. Et là, dans l'axe, Kerrer qui s'est complètement loupé. Ça revient sur Amouma, la reprise. Qui va accompagner Di Maria. Pour Draxler qui va ajuster, Ruffier, la parade. Ah, là, il y a des verts. Dans les 16-50, centre d'Amouma. Peut-être, Romain Amouma. Romain Amouma. Di Maria qui a fait la différence sur Monet-Paquet. Loïc Perrin est monté évidemment, Debuchy aussi. Finir l'action. Parce que... Alves avec Kylian Mbappé, l'éclair du génie français. Qui... Le petit filet opposé. Il est à 72 buts déjà. La frappe de Monet-Paquet. Qui va prendre de la vitesse, qui va armer la frappe. Elle n'est pas cadrée. Il a le soutien de Nordin, il va centrer. Benacer vers Thiago Silva. Monstrueux, Thiago Silva s'est remis par Cazerie.